Ouais, je viens ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Franchement, mesdames et messieurs, je vais vous dire un truc. Si vous voulez que votre cœur continue à battre, il faut vous calmer avec le Paris Saint-Germain. Il va falloir arrêter de vous donner comme si le Paris Saint-Germain payait votre loyer. Sachez, mesdames et messieurs, que nous, là, supporters du Paris Saint-Germain, on fait tout pour le Paris Saint-Germain. Alors qu'ils n'ont même pas besoin de nous. Ils n'ont plus besoin des supporters français. Ils ont des supporters au Japon, en Chine, en Australie, partout. Ils s'en foutent de la France. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Ah là là, franchement, le Paris Saint-Germain a réalisé le meilleur match de la semaine. On va pas se mentir, sur les 3 défaites, aujourd'hui, ça a été le match où ils nous ont montré que hey, nous, on sait jouer au foot. Ouais, attention. C'est jusqu'à Mbappé est rentré que là, on a vu que le Paris Saint-Germain était une équipe de foot. Il a carrément marqué un but. Les arbitres, ils ont dit, oh non, il triche. Il n'y a pas but. Hein. Ah non. Lui, là, il va trop vite. Regardez, hey, il y a son doigt qui dépasse. Non. Bon, on va dire, c'est clair et net. Là, les clés du stade, les clés de l'entraînement, les clés de l'appartement de tout le monde. Il faut tout remettre à Mbappé. Les chaussettes, les ballons, tout. Mais c'est quoi ce joueur? Le mec qui vient, on lui refuse des buts. Comme ça, gratuit. Parce qu'il est trop fort. Oh là là. Mais vous croyez que quoi? L'autre Messi, hein, il veut quoi? Lui là, on a un métier pour lui en France. Il est tout petit. Pourquoi il va pas travailler dans les égouts ou sous terre? Ou bien il va pas faire l'émission Fort Boyard? Là, Passepartout, il est où? Ça doit être Messi qui remplace Passepartout. Il va là-bas, il se bat avec les tigres, yeah, il fait le feu. Mais là, on a vu ce soir qu'il ne sert absolument à rien. Il est nul à chier. On a vu. Tu vas plus nous duper. Tu as gagné une Coupe du Monde, mais là, tu viens contre Marseille, tu te fais frapper. Tu refuses de jouer face à Toulouse. Tu reviens contre le Bayern, tu te fais frapper. Neymar, on l'a vu, il est trop fatigué. Hein? Tu as vu en France, depuis longtemps, ils ont coupé la tête des rois. Tu penses que Neymar, il va venir, il va jouer normal comme si c'était un roi? Après, ils vont l'amener à Bastille. Allez, on le guillotine! Non. Neymar, il sait de quoi les Français sont capables. Attention! Moi, je vais vous dire un truc. Le Paris Saint-Germain est officiellement, hein, écoute bien ce que je vais dire, officiellement nul à chier. Du début à la fin. Je te le dis. Du début à la fin. Si tu regardes comment le Paris Saint-Germain a été créé, tu dis, oula, ça pue, hein. Qui a pris l'argent là? Et quand tu regardes ici, là aujourd'hui, tu te dis, oh ça pue, qui a pris l'argent? Bien sûr, Messi, il est payé combien? Même le staff du Paris Saint-Germain est mieux payé que les joueurs qui jouent en Ligue 1. Dinguerie de ouf. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui font des massages, ils sont mieux payés que des gens qui mettent des buts.